Mon père est arrivé en France dans les années 30. Avec un passeport tchèque. Je ne parlais pas un mot de français. Il avait 20 ans. Et ma mère? Je suis arrivée en 36. Mon père était tailleur. Nous allons travailler dans les villages ouvriers, les mines de charbon où il n'y a pas de boutique. Et moi, je suis née 10 jours avant la déclaration de guerre. Il faut faire les valises, il faut partir. On ne peut plus rien faire. Les Juifs n'ont plus de droits. Tout est interdit comme partout en Europe centrale. Quand les Allemands vont arriver, ça va mal se passer. Il faut partir. Moi, j'ai le paquet qu'on emmenait. Partons dans les Vosges chez tes parents. Ils étaient 12 chez mon père. On était 12, mais il y en a qui ont été déportés. Mon père avait un frère. Il était le plus jeune et il était très intelligent. Je suis un as en mathématiques et aux échecs. Il était spécial. Bonjour Anna, tu veux jouer aux échecs? Je suis un as aux échecs. Dis, les Allemands, ils sont arrivés au village et ils parlent très fort. Tous les Juifs doivent se présenter à la mairie avec leurs valises. Surtout, tu n'y vas pas. Mais moi, ils ne m'auront pas. Je suis un as du camouflage. Il est parti à la mairie. Et il n'est jamais revenu. Il faut repartir à Angoulême. On devait passer la ligne de démarcation. Je me cache sous les patates. Toi et ta cousine, vous restez à côté du conducteur du camion. Le chauffeur du camion était un résistant. Et interdiction de pleurer en public. Parce que quand on pleure, on peut vous demander pourquoi vous pleurez. Et quand on est petit, on peut dire des bêtises. Allez, on y va. Bébé Anna, tu pleures pas. C'est interdit. Quand on a passé la ligne de démarcation, il y a eu un contrôle. Halte, qui va là? Ce sont mes petites nièces. Je les emmène passer quelques jours chez les grands-parents. Allez, circulez. On a tous atterri chez le grand-père qui parlait que le yiddish. Il a fait le sourd muet pendant toute la guerre pour qu'on ne le sache pas. Il fallait qu'on se cache. Mais moi, je voulais sortir. Tu ne sors pas. Mais un jour pour Pâques. On peut pas faire Pâques sans poulet. Quoi? Allez, on va en bus à Bellac. 100 km en bus pour aller chercher un poulet chez la sœur de mon père. J'étais jamais sortie de la maison, sauf là, pour aller acheter un poulet. On y est resté pendant une semaine. Et pendant qu'on y était, il y a eu un bombardement. Il faut descendre à la cave. Ils sont tous descendus à la cave. Et ils m'ont oublié. Je me suis cachée sous la table. Elle est où, Anna? Tu ne l'as pas prise? Il restait du strudel. Moi, sous la table. Et hop, j'ai tout piqué. Quand ils sont montés, j'avais le bidon plein de strudel. Je pouvais plus bouger. Il faut qu'on parte! Quand j'étais toute petite, la ligne de démarcation a sauté. Il faut qu'on bouge! Sinon, on ne s'en sort pas, il faut sauver les enfants! Anna, on a trouvé une famille qui va s'occuper de toi. Tu vas partir en bus! Toute seule? Toute seule? Le chauffeur de bus va te surveiller. Tu te souviens, tu n'as pas le droit de parler. Mais je vais où? Chez une famille française. C'est le maire qui demande d'accueillir les enfants et les orphelins. Au revoir, Anna. C'est leur fille qui m'a accueillie. Bonjour, moi c'est Colette. Colette, c'est devenue ma sœur. Viens, on va aller voir ma reine. Moi, je croyais qu'une marraine, c'était la femme d'un marin. Alors je rentre dans la maison et je cherche la femme d'un marin avec un bonbon sur la tête. Bonjour, bienvenue chez nous. Bien, on la prend la petite, mais on ne met pas la famille en danger. On va changer ton nom. Dorénavant, tu t'appelles Delage, Christine Delage. Tu es maintenant notre nièce qu'on accueille. Écoute bien, tu es orpheline et tes parents sont morts dans un bombardement. Retiens bien, c'est ta nouvelle histoire. La famille était très engagée. Il y a des réseaux de résistance dans le coin. Tiens, je vais leur apporter de la nourriture. Delage, je m'appelle Christine Delage. Je suis orpheline et je suis leur nièce. Cette famille, c'était la chance de ma vie. Ma famille bis. La famille était très bourgeoise. Nous sommes des fabricants de foie gras. Ici, tu n'auras pas faim. Oh, bah moi, ma guerre, c'était dur, hein, parce qu'on n'avait pas toujours le bout de pain pour mettre sous le foie gras. Et j'adorais la grand-mère. Viens avec moi dans le jardin. Je vais t'apprendre à lire.
Le jardin était magnifique! Et puis dans le grenier, il y a plein de livres et des bandes dessinées pour toi si tu veux. Des cartons de livres d'enfants! Mais surtout, ne quitte pas la maison! Je passais mes journées entières dans le grenier. C'était le paradis sur terre. Entourée de livres, je ne voyais plus personne. Bon, les enfants, c'est Noël. Il faut préparer l'arbre. Dans ma propre famille, Noël n'existait pas. Tiens, voilà le cadeau dans le sapin. Dans le temps, il y avait des poupons en celluloïde, mais ils étaient à poil. C'est ton cadeau. Une poupée habillée, le luxe intégral. Il a bien choisi le Père Noël. Alors là, je comprends pas comment le Père Noël aurait pu fabriquer une robe avec le même tissu que les rideaux de ma chambre. Tu sais, si jamais tes parents ne reviennent pas, on t'adoptera. Tu ne seras jamais sans famille, tu sais ça? Oui, et puis j'ai ma sœur Colette. Ma chérie, c'est papa. La guerre est finie. On est en vie. On vient te voir. Papa, je suis contente de te voir. Je... Mais moi, j'étais intégrée dans cette famille. J'avais acquis une culture française que je n'avais pas avant. J'étais dans mon cocon. Mon confort. Et mon père, il est arrivé après 5 ans de privation. Il était devenu maigre. Mon enfant. Papa, c'est bien de te voir. C'est... Je... Au revoir, Anna. Au revoir, Anna. Tu seras toujours ma sœur, tu sais. Nous allons rentrer chez nous. Si vous voulez... Allemands ont tout pris. Notre appartement avait été occupé par le directeur des postes allemandes. Il a tout emporté, il n'y a plus rien. Il n'y avait plus de chauffage dans les appartements, plus rien à manger. La famille de Sarlat nous envoyait des trucs. Merci. On ne peut pas manger le foie gras. Mes parents étaient très pratiquants. Moi, je m'en foutais. J'aurais mangé. Au bout de 3 mois, j'ai eu une pleurésie. Il faut qu'elle retourne se faire soigner chez les Delage. J'y suis retournée. Mais j'avais toujours le cul entre deux chaises, quoi. Et puis après, rebelote, dans ma vraie famille. Et après, je suis allée à l'école. J'étais souvent en conflit avec mon père. Il faut aller au cours de religion. Ça me gavait. Papa, je vais aller faire de la luge avec mes copines. On ne peut pas faire de la luge avec n'importe qui. Je peux aller chez Héloïse samedi. On ne sait pas ce que tu vas manger. Oh, ras-le-bol ! Dès que j'aurai mon bac, j'irai m'inscrire à la fac à Paris, comme ça je serai loin. Ma mère, elle obéissait. Elle passait son temps dans la cuisine à faire des gâteaux. Anna, tu vas porter ces gâteaux à des gens malades. Ça me permettait d'échapper un peu à mon père. Dès que j'ai eu mon bac, je me suis inscrite à l'école du Louvre, à Paris. Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Je veux que tu fasses pharmacie. Je vais faire l'école du Louvre. Je serai conservateur de musée. Je rêvais de Paris, Paris, Paris. À la cité universitaire, c'était la grande ville. La Sorbonne était en plein quartier latin, c'était dans les années 60. On sort. Tu viens demain? C'était de la folie. On faisait plus la jamais d'aller en cours. On sort. J'ai rencontré mon mari à la cité universitaire. Il faisait Sciences Po et droit. Et puis nous sommes mariés. Sans le dire à mes parents. On ne s'est pas parlé pendant 4 ans. Après, j'ai pris le secrétariat de l'association des étudiants. On faisait des réunions politiques, des manifs. Et puis j'ai eu 2 filles. J'étais contente, je voulais surtout pas avoir de garçon parce que chez les juifs, quand on a un garçon, on le fait circoncire. Et je savais que si j'avais une chance de me réconcilier avec mes parents, si j'avais un garçon, c'était de le faire circoncire, et ça, c'était hors de question. Heureusement, j'ai eu 2 filles.
Mes parents se sont réconciliés avec moi, mais jusqu'à la fin de sa vie, mon père a appelé mon mari. Monsieur. Mais à côté de ça. Monsieur, je vous ai fait un beau costume. Merci. Ça vous va bien, monsieur. Merci. Et moi, j'ai travaillé chez les libraires. J'ai retrouvé mon amour des livres, mon paradis. Le temps passe. J'ai vieilli. Oui, j'ai vieilli. Toute ma vie, j'ai pensé à ce jardin, à cette grand-mère. Tu sais, Christine, lire les mots, maîtriser les mots, c'est ça, la liberté. Mes enfants à moi, elles ne lisent pas. Ça me désespère. Elles ne s'engagent en rien, ni en religion, ni en politique. Bon, l'une d'elles, qui n'est pas du tout pratiquante, mais qui veut sauver à tout prix les traditions. Maman, pour Noël, on va faire Vaïnouka. Weihnachten, c'est Noël en allemand. Et Hanouka, c'est la fête juive. Si tu veux. Vaïnouka, on met les bougies d'Hanouka au pied du sapin. Les choses changent, le monde change. J'arrive toujours pas à tout comprendre. Mamie, je vais me faire tatouer à Noël. Non, mais c'est pas vrai. Est-ce que vous croyez que vous allez demander à Simone Veil si elle était contente de se faire tatouer? Non, mais bon sang de bois, réfléchissez 30 secondes, quoi. Oh là, ils sont sympas tous, vraiment, ils sont sympas. J'ai souvent revu ma sœur de guerre, Colette. Quand elle est tombée malade, je me suis beaucoup occupée d'elle. Et puis, elle est décédée. Et comme elle n'avait pas d'enfant, elle m'a tout légué. Alors du coup, pour mes 80 ans, j'ai emmené toute la petite famille en vacances en Grèce. Et avec l'argent qu'elle m'a laissé, j'ai dit hop, on va bouffer ça tous ensemble. Alors, tous les soirs, on levait notre verre d'apéro à l'honneur de ma petite sœur de guerre. Merci, Colette. Toi et tes parents, vous m'avez sauvé la vie. J'étais une enfant cachée. Alors, ta famille a risqué sa peau pour moi. Ton grand-père a même failli être fusillé. Alors, bon, merci, Colette. Merci à eux. Je suis née en 1942. Maman ne travaillait pas et papa, il a fait plusieurs métiers. Barman, livreur, barman, la comptabilité dans un hôtel, barman. Maman n'était pas très contente avec lui. Tu pars maintenant, on veut plus te voir. Après, il est revenu un peu. Salut, je... On veut plus te voir, t'as compris. Maman, faut qu'on se débrouille toute seule maintenant. Je vais faire des ménages, on va s'en sortir. Oui, maman. Je n'ai pas été à l'école très régulièrement. Je n'ai fait qu'un seul jour maternel. Maman m'a retirée au bout d'une journée parce que, soi-disant... On t'avait tiré les cheveux. Enfin, c'est ce que je vais dire à la maîtresse. C'est ce qu'on va dire à la maîtresse. Oui, maman, c'est ce qu'on va dire à la maîtresse. À l'âge de 7 ans, j'ai été dans une école publique. Mais je n'ai pas été une très bonne élève. Je rêvassais, je pensais à tout un tas de choses, à la danse, au chant... Mais j'adorais l'école. Dictée. J'adorais les dictées. 25 fautes. Mais j'adorais les dictées. 30 fautes. J'ai été jusqu'au certif. J'étais très fusionnelle avec ma mère. Mais après, on avait deux caractères assez opposés. Elle, Taureau. Et moi, Bélier. Mais on s'adorait. Mes patrons proposent que je continue à travailler pour eux quand ils partent en vacances. On part maintenant. C'était bien, parce que nous, on n'avait pas les moyens. Maman travaillait, moi, je flânais. On a été à Evian avec des patrons qui n'avaient pas d'enfants. Vous êtes une jolie petite fille. J'étais très sage, et donc... On t'emmène partout. Eh bien, si un jour, maman n'est plus là,
Ce sera vous, mes parents. J'avais peur parce que quand papa est parti, maman n'arrêtait pas de dire. J'ai fait mettre le gaz. Si j'avais pas eu la petite, je l'aurais fait. J'étais pas tranquille. Déjà que papa était plus là, alors si maman se suicide, du coup, je m'étais réservé des parents, au cas où. Et comme j'ai été très sage... On t'emmène à Lausanne. Tu seras la petite fille de la maison. Et moi, j'existe plus? Mais si, maman. À l'école, quand on me demandait... Et qu'est-ce qui fait ton père? J'ai pas de père. Pas de père? Et je m'en fiche. Je rêvais de faire de la danse, du chant. Je dansais dans la rue. J'adorais le piano. Je t'inscris au piano. J'en ai fait jusqu'à l'âge de 9 ans. Après. Nous n'avons plus les moyens. Tu as ton certificat, il faut que tu travailles. J'avais une prof de danse. Je peux lui donner des cours de danse gratuitement. J'ai un atelier de danse à Pigalle. Et moi, j'habitais dans le 17e. Je suis désolée, je travaille, j'aurais pas le temps de l'emmener. Maman, comment tu peux me faire ça? Rater une opportunité pareille? Maman! J'ai ton certificat, il faut que tu travailles. Bon, j'aime le cuir, je vais travailler dans le cuir, je vais vendre des chaussures. Oh non, tu vas sentir les pieds des gens. Non. Je fais des ménages chez un fleuriste, je vais leur demander s'ils ont quelque chose pour toi. J'ai intégré la boutique de fleurs. J'ai suivi des cours, j'ai obtenu mon CAP de fleuriste. Quand j'ai été chercher mon diplôme, il y avait une jeune fille. Ses parents étaient des fleuristes très connus sur Paris. Combien tu gagnes? Bah dis donc, t'es pas bien payée, t'es en dessous du SMIC. À ce moment-là, le midi, je déjeunais chez des religieuses, car l'autre apprenti qui était avec moi voulait rentrer dans les ordres. Écoute, Clara, tu n'es pas assez payée. C'est de l'exploitation. Tu dois aller au prud'homme. Et nous, pendant ce temps-là, on va te trouver un autre boulot. C'était curieux parce que mes patrons de l'époque étaient très catholiques. Des cubénis, si j'ose dire. Et ils donnaient beaucoup d'argent aux religieuses. Elles se sont bien moquées d'eux parce que c'est grâce à elles que je suis sortie de là. Ça y est, on t'a trouvé un autre travail dans un cabinet médical. Merci. Bon, comme je ne savais rien faire, je restais à l'accueil et je classais les dossiers. Mais un jour, la directrice... Tu vas aller là-bas, les aider à développer les clichés à la radio. Je vais t'apprendre comment faire une radio pulmonaire. Oh, ça me plaît beaucoup. Je me suis acheté plein de petites gravures à l'unité où il y a tous les os de tout le corps humain pour apprendre leur nom. J'ai appris ça toute seule, dans mon coin. On a besoin de toi plus souvent. J'ai quitté l'accueil et je suis restée à la radio. Un jour, j'ai rencontré un radiologue à Bagneux. Si un jour vous n'avez pas de travail, vous pouvez venir chez nous. Vous m'avez l'air très sérieuse. J'étais complexée de travailler sans avoir de diplôme comme tous les jeunes de ma génération qui travaillaient sans avoir de diplôme. Après, je suis arrivée dans une grosse clinique. Ils cherchaient une manipulatrice. Mais j'ai pas de diplôme, hein, vous savez. Mais c'est pas grave, c'est pas important que vous n'ayez pas de diplôme. Le plus important, c'est que vous soyez sérieuse. J'avais une telle soif d'apprendre. Un DE par équivalence a été créé pour les gens comme moi. Et je l'ai obtenu. La religieuse qui était à l'origine de ma transformation est décédée. Elle a eu un cancer du sein. Ça m'a causé un chagrin immense. Si je n'avais pas rencontré cette dame-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma famille vivait avec mes grands-parents, assise dans un deux-pièces. Et puis, après 10 ans... On déménage dans le 13e, le très vieux Paris.
dans des maisons qui dataient de Napoléon III. C'est un petit peu insalubre. Regardez, vous avez quand même une chambre chacun. Oui. Ça, c'est nouveau. Oui. J'étais bon élève, mais un peu... Faut que tu travailles, Luc. Pour monter, faut étudier. Je ne veux plus travailler. Luc, couille. Je veux travailler pour gagner de l'argent, papa. Passer un CAP d'électronique. J'avais des parents formidables. Ma maman était mère au foyer. Ce n'est pas rester à rien faire. Et mon père, à l'époque, il était couvreur zingueur. Sur les toits. Bon, les enfants, nous allons déménager. Encore? De ces vieilles baraques? Dans un appartement? C'est paradis. C'est extraordinaire. Il y a une salle de bain? Non, c'est pas bien tout ça. Comme mon père travaillait dans le bâtiment... On retape tout! J'adorais mon père. Tu travailles trop. Il a été victime d'une maladie professionnelle. À peine 50 ans. Décédé. On était complètement perdus. Je ne veux plus, je ne sais plus. Fais à manger, mais je suis fatiguée. Il faut tenir le coup, maman. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ma mère ne s'en est jamais remise. Faut que je travaille. Je peux retravailler. C'était difficile. J'ai grandi. Et j'ai commencé à travailler. Dans l'électronique. Et puis, j'ai trouvé un travail dans l'armement. J'ai rencontré ma femme. On a eu 2 enfants. J'adore mes enfants. La famille. Mais le boulot. L'armement. Tu es malheureux, papa? Ça ne va pas? Je reste près de toi. Ma fille Lila avait 7 ans. Je vois bien que ça ne va pas. Dis, papa, qu'est-ce qu'il y a là, maman? Dans le boulot, ça n'allait pas. Et puis, ma femme est tombée malade. Et puis, elle est décédée. C'était à moi de toucher le fond. Je reste près de toi, papa. C'est pas facile sans maman. Pas facile. Je veillais sur ma fille. En fait, mes enfants n'ont jamais eu de maman. Mais toi, tu fais les deux, papa et maman. Le manque, c'était terrible. Et puis, dans l'armement... Au boulot, il y a eu cet événement qui a été déclencheur. Regarde, papa, à la télé, des femmes et des enfants morts. Par milliers. Le gazage des Kurdes par Saddam Hussein. Ce n'est pas possible. Je ne contribue pas directement à ça, hein. Enfin, si, je suis tout de même un petit maillon de la chaîne. Qu'est-ce que je dois faire? Je partais travailler le matin, mais je n'étais pas bien. Heureusement, j'avais ma famille. Je reste près de toi, papa. C'est grâce à eux que j'ai tenu le coup. Je suis restée dans l'armement à me morfondre en attendant de trouver autre chose. Je partais le matin comme un zombie. Je tenais le coup parce qu'il fallait bien. Mon beau-père était sociologue. J'ai des contacts avec des gens qui travaillent dans des établissements pour personnes handicapées. Ça t'intéresse? Ah oui. J'ai eu quelques semaines de formation. C'est qu'on ne s'improvise pas éducateur comme ça. Ça m'a complètement transformé. Ce qui m'intéressait, c'était de venir en aide à des gens qui ont vraiment besoin d'aide, à leur aider à conserver leurs acquis. Le déclencheur de tout ça, ça a été le décès de ma femme. Et puisque j'avais vu à la télé l'autre soir, c'était impossible de continuer. J'avais une collègue qui n'avait pas compris mon choix. Mais si c'est pas toi qui le fais, ce sera un autre. Oui, mais ça ne sera pas moi. Ouais. Ce nouveau métier m'a remis dans les rails. Faire des sorties avec les jeunes handicapés, venir le matin dans les ateliers pour distribuer le travail, être avec eux, et leur faire aussi des petits gabarits pour leur faciliter les choses, et organiser les fêtes aussi. Ça, c'est du concret. Vous êtes utile à quelque chose dans cette existence qui passe à toute vitesse. À Paris. Bon, toute petite, mes parents ont divorcé. On était très jeunes. Trop jeunes. Je dois repartir faire mes études. Tu reprends Cathy? Oui, je la prends. Et bon voyage. Mon père est parti faire le tour du monde. Au revoir, papa. Un de ces quatre. Ok, Cathy. Tout ne va pas être facile. Oui, maman. On n'a pas beaucoup d'argent, mais tu auras des vacances quand même. Oui, maman.
Je t'emmène au club et faire du ski. Le ski? Mais j'ai le vertige, maman, ça m'intéresse pas du tout. On va s'amuser. Maman, c'est beaucoup ruiné pour cette semaine, donc on va s'amuser. On va s'amuser, hein. Tu sais, il y a des spectacles faits pour les enfants. Je passe la semaine à répéter une comédie musicale, Les Misérables. Je joue la Thénardier, j'adore ça. Tout ce qui est musical, ça me plaît. J'adore danser, je voulais être majorette. Mais pour le reste, je sais pas trop ce que je veux faire. Adolescente, ma mère et ma tante me mettaient beaucoup la pression. Faut que tu fasses du droit. Ben, j'ai pas du tout envie, hein. Toute la famille a fait du droit. Je suis bonne élève, mais je ne fais pas grand-chose. En fait, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Et à partir de 18 ans, ça devient problématique. Moi, ce que je veux, c'est être sur scène. C'est un métier, ça? Je m'inscris à la fac. Ah! En lettres. Tu vas jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Jusqu'à la thèse. Mais c'est pas du tout mon truc. Alors, tu vas être prof? Alors là, pas du tout. Je passe tout un tas de concours que je ne prépare pas. Je tente Sciences Po. Oh, Sciences Po, c'est bien ça. Je tente un truc de journalisme. Bien. De documentaliste. Oui. De l'édition. Ok. Mais je foire souvent. Mais tu sais, pour réussir, il faut préparer un peu. Mais maman, je me cherche, tu comprends. C'est un métier ça. Se chercher, c'est un métier. Et puis il y a un événement dur. Il y a la mort de ma tante. Elle et moi, on était très proches. Et puis pour ma mère, ça a été... Bon, faut qu'on sorte. Tout est dur, la maison m'étouffe. Ça dirait une comédie musicale. Oh oui, oui, j'adore. Oh non, mais quand ça chante, là. Quand ça danse. Je suis dans un autre monde. Je suis ailleurs. Oh, ils donnent des cours. Oui, oui. Je découvre quelque chose qui me plaît. Et ça me booste pour tout le reste. Plus tard, je m'inscris en développement culturel. Même si je ne suis pas sur scène, je pourrais bosser dans un théâtre. Je trouve un stage et en même temps, je fais de la comédie musicale. Ma vie change. J'ai rencontré mon mari jeune, j'ai eu des enfants et après j'ai beaucoup travaillé. Je trouve des stages par milliers, je bosse tous les jours pour garder des mômes. Je fais des sondages, je fais du marketing téléphonique, je surveille les études des enfants et j'ai bossé chez Auchan, chez Pomme de Pin. J'essaye de trouver des trucs qui me plaisent mais je ne trouve pas. Je me cherche. C'est un métier ça? Et puis, le 2 mars 1999, on m'installe Internet. C'est le début d'Internet. Bonjour, madame. Tenez. Dans le bon sens. Voilà. Alors ça, c'est un moteur de recherche. Vous mettez un mot et vous obtenez des liens. Des liens. Qu'est-ce que vous aimez, par exemple? La comédie musicale. J'ai toujours aimé la comédie musicale. Alors vous tapez « comédie » musical. Je clique et là apparaît Regard en coulisses. Alors ça c'est un site. Un site. Oui, un site. C'est un endroit qui héberge des informations ici sur la comédie musicale. Et là vous avez des liens, vous pouvez cliquer dessus. Ah mais ah, ça c'est mais... marrant, je le connais, c'est un pote, Lidan. Eh ben c'est surligné donc vous pouvez lui écrire. Ah génial, le premier mail de ma vie que je fais c'est à un pote. Salut, Lise, c'est Cathy, comment tu vas? Je ne suis pas du tout Lise, mais j'en connais un. Oh, ah mince, c'est un pervers, je fais quoi? Ça fait 2 minutes que j'ai internet et c'est déjà vraiment la loose. Bah, vous lui répondez ou vous lui répondez pas? Désolée, je me suis trompée, je croyais que vous étiez Lise. En fait, Lise, c'est mon frère. On a posté Regard en coulisses depuis 2 heures. C'est le premier article de notre vie. Génial, la rencontre des pionniers d'Internet. Je suis attachée de presse pour une comédie musicale. Est-ce que vous pourriez en parler? Ok, envoie-moi ton dossier de presse. Ok, mais moi je fais ça par fax ou par la poste parce qu'il y a 2 minutes, j'avais pas Internet et franchement, j'y comprends pas grand-chose. Si tu veux, on peut se retrouver demain. Pourquoi tu viendrais pas nous rejoindre? On a besoin de gens. On se fera un fric fou. Ouais, mais... moi, je sais pas ce que je vais faire dans la vie. Ça fait longtemps que je cherche et
Je ne sais pas écrire et ça m'apporte quoi? Ah, se répétait-tu? La comédie musicale arrive en France! J'ai intégré Regard en coulisses. Et pour la première fois, je fais un truc qui me fait kiffer direct. J'y suis restée 20 ans. On n'a jamais gagné un centime, mais à un moment, on est devenu le magazine de référence de la comédie musicale. Ensuite, je suis devenue journaliste dans une agence. À chaque fois qu'on m'a embauchée, c'est parce qu'il y avait Regard en coulisses sur mon CV. Et moi, depuis toute petite, j'ai toujours adoré les spectacles. Aujourd'hui, j'approche de la cinquantaine. C'est pas le truc ultra funky. J'ai changé de boulot, je suis fatiguée, ça non plus, c'est pas funky. Les enfants partent de la maison, ça c'est encore moins funky. Et là, j'aimerais encore changer de boulot. C'est comme si je savais toujours pas ce que je veux, donc ça ne change jamais. Mais moi, finalement, j'aurais toujours rêvé d'être sur scène. Peut-être que ça viendra un jour. Par là, et puis ils peuvent se cacher. Et puis s'il y a une tempête, ils peuvent se cacher, se protéger, et puis ils peuvent se nourrir. Je me casse. Arrête de dire n'importe quoi. Si je me casse. C'est moi qui me casse. C'est ça, barre-toi. Et puis ils peuvent dormir aussi dedans. Et là, j'ai créé une petite trappe. J'adore travailler le bois. J'ai toujours été attiré par sa beauté, sa solidité. Le bois ne casse pas. Thomas, ton père et moi, on se sépare. Le bois est constant. Thomas, tu entends Thomas? Oui, oui. C'est compliqué la séparation quand on a 14 ans. Et puis je suis un garçon atypique. Il faut que je sois indépendant. Très vite. Je suis parti à 18 ans, je me suis marié à 19, j'ai eu ma fille à 20 ans, après j'ai continué mes études, j'ai fait un bac pro, j'ai continué mes études, j'ai fait un BTS, ma seconde fille est arrivée et après j'ai travaillé. Il faut remplir la marmite. Je suis rentré chez lui. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que vous êtes à votre place, Thomas? J'ai intégré le secteur bancaire. J'ai fait guichet, conseiller, adjoint, conseiller bonne gueule, conseiller privé. 3 établissements, 15 ans. Les enfants arrivent. Faut travailler pour eux. Enfin, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que vous êtes à votre place, Thomas? 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 Mais j'ai d'autres envies. Je ne peux pas, il y a des contraintes. Oui, il y a des contraintes. Je ne serais pas en train de chercher des excuses. Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous chercher des excuses? Le bois. J'aime le bois. Travailler avec les mains. Le travail de bureau, la hiérarchie des grosses structures, l'autorité. Je veux me faire par moi-même. Je suis père. Je suis très impliqué. Je prends mon rôle très au sérieux. Mais je suis un grand solitaire. C'est peut-être moi qui ne comprends pas les gens. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que vous êtes à votre place, Thomas? Non, ras-le-bol! Ras-le-bol de ne pas contribuer au monde, de ne pas utiliser mes atouts, de ne pas faire ce qu'on aime au quotidien, dans un quotidien pesant. C'est affreux! La routine, c'est affreux! Ça m'étouffe! Mon couple se brise, je touche le fond. Mais je suis un aventurier de nature. Je veux changer. Mais il y a les enfants. Le bois. J'ai toujours aimé le bois. C'est solide! Ça ne casse pas. C'est un outil d'art, la fabrication d'un meuble, à la fois artistique et à la fois pratique. Je suis rentré en reconversion quand ma fille a pris son indépendance. Je fais une formation chez un ébéniste. J'adore, c'est une danse. Après, j'ai passé les concours de l'école Boulle, grand concours. Félicitations, vous êtes pris chez nous, vous commencez en septembre.
Aujourd'hui, je vis mon rêve. On est un peu des alchimistes hein, quand vous partez de feuilles de plaquage et d'un bout de bois brut et que vous arrivez à un plateau laqué ou à un meuble. Un atelier, ça a l'effet d'une église sur moi. Il y a quelque chose d'assez spirituel dans un atelier de bois. Joseph et Jésus, ils étaient charpentiers. Il y a peut-être un lien là-dedans, non? C'est apaisant d'être en communion avec la matière. Moi, j'avais besoin d'utiliser mes mains. La matière ne ment pas, ne déçoit pas. La matière vous laisse la travailler, mais elle ne vous trompera pas, ne cachera pas les erreurs. Je ne compte plus mes heures. Oh, j'adore ce que tu bricoles, papa. Oui, regarde ce que je fais. Ah, oh, c'est cool, hein. C'est quand même vachement mieux quand tu rentres énervé de la banque, hein. Tu penses? Ah ouais, et puis t'as plus besoin de porter le costume cravate. Ah, ça. Je gagne moins qu'avant. Mais c'est la première fois de ma vie que je suis autant content d'être sur le chemin. Je ne suis pas pressé d'arriver. Jeune, j'étais un peu en colère. J'étais blessé. Je pense les blessures de mon enfance. Mais on peut faire le choix de poser la colère, de pardonner, d'apprendre à vivre avec. C'est un chemin que j'ai fait. Un peu tardif, mais c'est un chemin.